Gloire au Dieu de Papa Florian, puissance, feu. Alors, un incendie allait calciner carrément votre maison. C'est le Dieu de Papa Florian est intervenu. C'est exact. Allons-y pour le témoignage. Bishop. Oui. Que le nom du Dieu de Papa Florian soit glorifié. Amen. Il se manifeste puissamment au chemin du ciel. En effet, le mercredi dernier, la nuit du mercredi à jeudi la semaine dernière, oui, aux environs de minuit, j'étais couché. Et j'ai senti du brûlé. Oui. Je descends dans la cour arrière où il y a une petite maison. Le feu s'est déclenché là-bas. Je voulais l'éteindre, je n'ai pas pu. J'ai appelé du secours. Et quand je suis sorti de cette salle-là, la porte s'est fermée seule. La porte s'est fermée seule, les enfants du quartier, les habitants du quartier, quand j'ai crié à l'incendie, ils sont venus nombreux, avec du sable mouillé. Il fallait ouvrir la porte pour mettre le sable sur le feu, sur les flammes. Quand j'ai ouvert la porte, non, la flamme est sortie avec violence. Et la chaleur m'a brûlé un tout petit peu. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est les traces que vous voyez. D'accord. Les gens ne pouvaient pas s'approcher de la flamme, de la porte. La porte était métallique. Elle brûlait. Et madame qui était derrière moi a pris la serviette prophétique du Dieu de Père Florian. Elle a dit, Dieu de Père Florian, sauve-nous. Elle a jeté la serviette prophétique dans la flamme. Et la flamme qui était au dehors s'est retirée. Wow. Dans la salle. Elle y est restée. Le Dieu de Paphorien a... Ça n'a plus bougé. Ça n'a plus bougé. C'est comme s'il a bloqué cette flamme. Il a bloqué dans le feu, même dans la petite salle. Wow. Si ça sortait, ça prenait la cour, la grande toiture, et toute la maison prenait le feu, ainsi que tout le quartier. Wow. C'est en ce moment-là, les enfants ont pu mettre le sable mouillé sur les flammes. Et ils ont commencé à éteindre. Donc la serviette prophétique, là, c'est la serviette de cérémonie. Hein. La serviette de cérémonie. Elle a lancé ça dans elle le feu. Elle a lancé dans le feu. Et le feu n'a plus bougé, n'a le plus avancé. Le feu est retourné carrément même dans la salle. Wow. Il s'est resté dedans. C'est comme ça, les enfants ont pu s'approcher de la porte pour mettre le sable mouillé sur les flammes. Ils ont commencé à éteindre petit à petit. Mais dans la douche de cette salle-là, le feu y était pour pas entrer. Le feu se débattait pour sortir avec violence. Ça fendillait même les murs. Tout ce qui est dedans a été cramé. Le bois, les ustensiles de cuisine de madame, tout ce qu'on mettait dedans qu'on n'utilisait pas tout le temps, qu'on mettait dedans en réserve, tout ça a été calciné. La porte, le plafond, tout ce qui est bois a été brûlé. Les vélos du sport de mes enfants, tout ça a été brûlé, sauf les tôles. Les murs ont été fendillés, le feu ne sortait pas, à cause du bafouillé. Si le feu sortait par la petite toiture, ça prenait la grande. Les tôles n'ont pas été brûlées. Les bois qui étaient sur les tôles qui soutenaient les antennes paraboliques ont été brûlés, sauf les tôles. Dieu a maintenu le feu dans la salle jusqu'à ce que les pompiers viennent. Parce que s'il sortait là, il entrait au salon et toute la maison prenait feu. Toute la maison. Oh, ma famille était dedans. Vous voyez comment Dieu nous a sauvés. Dieu nous a vraiment sauvés. Il vous a épargné même la mort. Il nous a épargné la mort. Il nous a sauvés. C'est la petite maison seulement qui a brûlé. La grande maison n'a pas été touchée. Aucun blessé. Si ce n'est pas moi seulement qui ai reçu la chaleur. Et ce n'est que la petite chaleur. Oui. Il y a les cicatrices encore sur mon visage. Et ça va parce que je mets... La crème Civoderme. Je mets Civoderme. Pour ne pas fournir. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian. S'il n'était pas il présent. Il était plus rapide que les pompiers. Que les pompiers. Plus rapide que les hommes. Que le feu. Le feu a fui la serviette prophétique. C'est entré dans la salle. C'est resté. C'est plus sorti. Wow. C'est là-bas. Le sable mouillé des enfants l'ont trouvé pour l'éteindre jusqu'à ce que les pompiers viennent pour éteindre tout le feu. J'ai même les images ici. On va récupérer ces images. J'ai même les images. Gloire au Dieu de Papa Florian. C'est pourquoi je suis venu ce matin. Parce qu'il n'y a pas un mot plus fort que merci. Oui. Je suis venu dire merci au Dieu de Papa Florian. Vraiment, c'est un Dieu. C'est l'offrande de remerciement. D'accord. Vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que Amen. Le nom de Dieu Papa Florian soit béni. Amen. Voici la petite offrande. Gloire à Dieu pour cette offrande. Je prie Dieu de Papa Florian qu'il accepte. Continue de vous sécuriser encore. Amen. Amen.